Bonjour à tous, bienvenue à la conférence .NET de Québec. Aujourd'hui, c'est un événement spécial parce que c'est l'occasion pour nous de célébrer la sortie de .NET 5.0. Cet événement a été organisé en collaboration avec les communautés .NET de Québec, de Montréal et la communauté Azure de Québec. Aujourd'hui, nous aurons trois belles présentations qui seront effectuées par Amida Rebaï, qui va nous parler de .NET 5.0. Ensuite, on aura Miguel Bernat et Anthony, qui vont nous présenter C-Sharp 9, qui est la dernière évolution majeure du langage de programmation. Puis, on aura une belle présentation sur ASP.NET Core 5.0 et MCC Framework 5 par Anthony Giretti et Tijani Belmansou. Et pour finir, on aura bien évidemment le meilleur pour la fin. Une très belle présentation sur Blazor qui va être faite par Bruno Sonimo. Moi, je suis Inol Donfac, organisateur de la communauté .NET de Québec. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bel événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone réservée à cet effet sur Teams pour poser votre question. Le présentateur se fera un plaisir de vous fournir une réponse. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent événement et profitez-en bien. Amida, je te passe le relais pour ta présentation. Merci Ino. Donc, bonsoir à tous. Je vais partager mon écran en premier. Sais pas. Bon. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Donc, moi, c'est Amida Rebaï. Je suis un MVP en développeur technologie donc depuis 2017 et MCT, architecte des solutions et de cloud. Je suis .NET Foundation member et speaker, et dans la liste des speakers. Vous pouvez me suivre dans mon Twitter si vous avez des questions, que ce soit pour cette session aujourd'hui ou pour d'autres questions liées à .NET 5. Et bien aussi par courriel et aussi par LinkedIn. Donc, vous êtes la bienvenue. Je vais utiliser aujourd'hui la même ressource utilisée par Microsoft durant la conférence .NET 5. Donc, pour parler de ce qui était annoncé le 10 novembre pendant la conférence .NET. C'était la dixième conférence et je pense, nous, c'est pour moi, c'est la troisième au Québec. Et dans cette conférence, ils ont annoncé la disponibilité de .NET 5, qui est la prochaine version de .NET Core, où nous continuons le voyage d'unification de la plateforme .NET. Donc, la vision de .NET 5 est un ensemble unifié de bibliothèques, d'outils, SDK et d'exécution. .NET 5 commence par prendre tout ce qui est disponible dans .NET Core et en ajoutant plusieurs investissements au niveau de l'info nuagique et tout ce qui est web, tels que les applications de fichiers uniques, par exemple plus petits, de plus rapides, qui utilisent moins de mémoire, ce qui est approprié pour les microservices et les applications containerisées sur les systèmes d'exploitation. On trouvera également des améliorations au niveau ASP.NET. On aura après des démos pour tout ce qui est ASP.NET, Blazor, WebAssembly. Qui vous permet d'écrire une interface utilisateur web en C-Sharp qui s'exécute complètement dans le navigateur. Utilise désormais le Core BCL au lieu de Mono, unifiant davantage la plateforme afin que les développeurs puissent écrire du code sur les mêmes bibliothèques de classe de base sur toutes les charges de travail. Donc, .NET 5 intègre également la prise en charge complète de Swagger. C'est une façon pour présenter les API, présentation graphique et visuelle optimisée. Donc, ça facilite grandement la création aussi d'API web stable et compatible via Open API. Donc, .NET 5 inclut une prise en charge complète au moment de la conception pour le développement même des applications de bureau,
Ici, on parle de WinForm, WPF, donc Visual Studio. Donc, on va dire les nos vieux compagnons qu'on a eu quand on a commencé le développement. Donc il y a eu des améliorations aussi au niveau de ce framework, avec la prise en charge des contrôles de premier, la prise en charge de click once et le déploiement côte à côte d'un seul fichier. Il existe également de nombreuses améliorations des performances d'exécution, la prise en charge de Windows ARM 64 et de nouvelles versions des langages C-Sharp 9 et F-Sharp, donc F-Sharp 5. On va voir après avec Miguel donc pour C-Sharp 9. Donc là, c'est notre écosystème .NET. Nous constatons une croissance significative de l'écosystème. Et voici quelques points de données voilà, qu'on voulait partager toujours donc, avec toutes les communautés par rapport à l'évolution de cette plateforme. Donc, nous avons, notons maintenant qu'on a atteint 2 millions de développeurs .NET, ce qu'on voit ici, utilisant .NET Core. Et .NET Core a été classé le premier 2 années de suite comme le framework le plus apprécié sur l'enquête des développeurs en Stack Overflow. Cloud Native Computing Foundation, CNCF, suit les projets à la vitesse les plus élevées sur l'ensemble de GitHub, qu'il mesure en fonction de taux auxquels les demandes d'extraction et des problèmes arrivent et combien sont acceptés. Et les projets .NET et ASP.NET sont dans le top 30. En parlant de GitHub, C-Sharp est parmi les 5 premiers dans le top 5, on va dire, des langues. Un indicateur d'un écosystème open source, ça, pour ASP.NET Core, se classe en premier dans Benchmark. Je ne vais pas parler un peu plus de sujet après, peut-être quand on va présenter qu'est-ce qu'il y en a de nouveau pour ASP.NET, mais pas plus en détail. Donc, nous continuerons de voir une grande partie de nouveaux utilisateurs à télécharger aussi .NET, s'identifiant en tant qu'étudiant aussi dans l'enquête de téléchargement. Donc, et notre base d'utilisateurs ne cesse pas vraiment de croître. Il y a plus de 5 millions de développeurs .NET actifs par mois dans la famille Visual Studio, qui comprend Visual Studio, Visual Studio Code, Visual Studio pour Mac aussi. Comme j'ai mentionné, nous avons aussi constaté une croissance significative avec .NET Core, l'open source multiplateforme, et il dépasse désormais 2 millions de développeurs actifs par mois. Nous voyons également un nombre important de développeurs de bureaux Windows, donc 200 000 passés à .NET Core, de .NET Framework. Et vraiment, il y a pas mal d'évolutions au niveau de l'adoption .NET. Là, c'est .NET aussi dispose d'un riche écosystème de partenaires qui crée des outils et contrôles supplémentaires pour vous aider à créer plus rapidement vraiment des applications complètes. Donc là, c'est la liste. Aussi, il y a des projets open source spécifiques qui ont eu un impact important sur la création de la version .NET 5, ainsi que sur les projets basés sur .NET 5 aujourd'hui. Donc voilà, bien sûr, il existe de nombreux autres projets, mais ces projets-là ont eu un impact très important pour avoir la nouvelle version, donc et c'est .NET Foundation, qui est open source et n'importe quelle personne peut donc contribuer dans l'évolution du framework. De même, les développeurs exécutant des services critiques en production dépendent grandement de la performance, à la fois pour une expérience utilisateur positive et pour des économies des coûts et d'énergie. C'est pourquoi nous avons toujours fait des performances une priorité absolue dans .NET 5. Si on essaie de vérifier ici les performances, on comprend que l'objectif d'avoir la nouvelle version, c'était le focus sur les performances et ajouter des outils pour développer, orienter info nuagique. Mais .NET 5 sera encore plus rapide et pas seulement dans tout ce qui est benchmark. Ici, il y a le plein texte. Nous produisons il y a plein texte ici, benchmark around 20. Ici, les JSON, tout ce qui est fortune,
Des résultats vraiment donc incroyables ont été obtenus grâce à une excellente collaboration entre les contributeurs internes et externes. Et vous aurez plus de détails par rapport à Plaintext, Gisant, Fortune, ce que, et tout ce qui est benchmark. Donc voilà, dans la documentation donc, qui était fournie dans le fichier, donc de plus de détails par rapport à la sortie de .NET 5. Jetez un coup d'œil à certains des détails ici sur la façon dont nous continuons les investissements donc dans la performance, comme j'ai mentionné. Donc c'est toujours l'objectif, c'est assurer donc une bonne performance pour les applications qui vont être faites en utilisant .NET 5. Donc il y a eu une amélioration de 30% des performances des sockets sur Linux, sur .NET 5, .NET Core 3.1 aussi. Les performances de sérialisation JSON ont été améliorées de 19% par rapport à .NET Core 3.1. La sérialisation des grandes collections et tableaux a été améliorée 3 fois et désormais sans allocation. Les performances donc, du serveur gRPC dépassent le Go, C++, Java, tels que mesurés par un benchmark exécuté par la communauté. Ce sont des résultats incroyables. Et nous ne nous arrêtons pas ici. Nous avons l'intention de continuer de mettre l'accent sur les performances dans .NET 5 à l'avenir également. Donc ici, quand vous voyez, l'objectif toujours est d'améliorer les performances afin d'avoir des solutions plus simples et plus rapides. Donc commençons maintenant par explorer les nouvelles fonctionnalités de la version .NET 5 comme ici. On va commencer bien sûr par notre vieil ami, les développements des applications de bureau, Windows Desktop Development. Nous savons qu'il existe des millions d'applications de bureau Windows écrites il y a de nombreuses années qui sont encore aujourd'hui essentielles pour l'entreprise et qui sont activement développées. Nous voulons nous assurer que ces applications fonctionnent non seulement sur la dernière version, c'est la dernière .NET 5, mais peuvent également être développées avec la dernière version de Visual Studio également, qui est 2019. Et pour avoir .NET 5, il vous faut la version donc 18.8, de 16.8, pour avoir tout le framework, donc sans avoir besoin le SDK. Donc vous n'aurez pas besoin de l'installer séparément. Donc c'est juste une mise à jour vers 16.8 ou plus, en tout cas parce qu'il y a eu d'autres versions après. Donc c'est la raison pour laquelle Microsoft donc, a travaillé pour amener ses charges de travail vers .NET Core et maintenant .NET 5. Ils ont déjà plus de 200 000 développeurs qui font donc, ces transformations pour adapter les applications Windows. Windows donc, passe des .NET Framework vers .NET Core. Maintenant, on est à .NET 5. Donc, ils ont terminé ce travail en apportant l'expérience de développement Visual Studio complète, y compris le contrôle tiers, et les fournisseurs de composants que vous utilisez peut-être aujourd'hui, ainsi que la prise en charge du programme d'installation ClickOns. En progressant, ces applications peuvent bénéficier de tous les avantages de .NET 5, tels que les fichiers .exe, autonomes et uniques, qui n'ont pas besoin de .NET Framework sur la machine. Donc vous décidez quand vous souhaitez mettre à jour, pas le système d'exploitation Windows. Vous pouvez également utiliser de nouveaux contrôles Windows 10 modernes, tels que WebView 2 par exemple, un contrôle de navigateur moderne basé sur Microsoft Edge Chromium. Passons maintenant vers tout ce qui est développement mobile. Et si on dit développement mobile, on parle d'Xamarin. Donc ici, Xamarin Form 5 sortira normalement plus tard cette année dans des tonnes avec plusieurs fonctionnalités. C'est en cours de travail. Parmi ces fonctionnalités, des nouvelles API pour les pinceaux, par exemple, les formes, donc les paths, pour vous permettant de dessiner des superbes interfaces utilisateurs multiplateformes pour Android, iOS et même Windows aussi. L'expérience XAML est meilleure que jamais, avec une meilleure intelligence et la nouvelle fonctionnalité de diagnostic, de liaison de données, de rechargement a été reconstruit à partir de zéro. Tout a été refait dans cette version en utilisant la même technologie que WPF et ou UWP. Vous offrant une expérience rapide et cohérente, peu importe ce que vous développez,
Donc, vous pouvez commencer à créer des applications Xamarin, multiplateformes, dès maintenant avec juste un iPhone et un ordinateur. Je donne un exemple qui a été présenté pendant la .NET Conf aussi, pour l'Academy of Motion Picture Arts and Science. Il utilise Xamarin et .NET pour fournir un service de streaming multi-appareil aux membres de leur académie afin qu'ils puissent regarder les films nominés et voter. Il dispose de pétaoctets de données et doit fournir une solution robuste et sécurisée, pouvant fonctionner sur n'importe quel appareil. Ils ont pu déplacer leur site web qui était à ASP.NET et leur service de niveau intermédiaire vers Azure App Service, le serveur SQL vers Azure SQL et Visual Studio et Azure DevOps. Ils ont pu moderniser leur application, leur infrastructure et leurs pratiques de développement. Et pendant la conférence, ils ont eu un témoignage pour parler de leur expérience réussite de migration de leur solution vers Azure, donc en utilisant le nouvel framework donc, et tout ce qui est Xamarin et tout. Par rapport à Visual Studio, donc ce qui était, comme j'ai mentionné là, donc c'est à partir de 16.8 et plus, il faut mettre à jour. Maintenant, on a 16.9 aussi en preview, donc c'est pour ça qu'il y a eu des versions intermédiaires entre 8 et 9 aussi. Il y a eu vraiment une amélioration au niveau productivité, donc comme les analyseurs, Roslyn, sont désormais inclus dans le SDK .NET 5, achèvement IntelliSense pour Datetime et Timespan, conseil donnant par exemple de paramètres en ligne, donc il y a eu plusieurs fonctionnalités qui ont été ajoutées pour améliorer la productivité des développeurs. Donc, avec les complétions d'équipe IntelliCode, vous pouvez même entraîner plutôt un modèle personnalisé sur votre base de code C# et obtenir des suggestions de complétions contextuelles étoilées avec des étoiles pour vos propres types. Une nouvelle expérience qui s'ajoute pour l'utilisation des guides. Accéder rapidement à vos raccourcis guide avec un nouveau menu guide. Vous allez voir que ça sera plus simple à utiliser guide vraiment au niveau de la nouvelle version, la nouvelle mise à jour donc pour Visual Studio. Dans le contexte d'utilisation de .NET 5, exécutez facilement vos opérations guide quotidiennement à l'aide de la fenêtre guide Changes, par exemple. Parcourez donc et gérez facilement votre référentiel guide. Vous n'aurez pas donc à s'inquiéter pour tout ce qui est conflit de fusion, donc ça sera optimisé en gestion aussi. Donc débogage Linux également, débogage du dump par exemple géré de base Linux directement dans Visual Studio. Débogage .NET Core avec WSL2 à l'aide de la distribution Linux de votre choix en preview mode ça. Expérience XAML aussi, donc amélioration du diagnostic des échecs des liaisons XAML, le rechargement à chaud de XAML prend en charge UWP. Et il y a pas mal d'actions donc qui sont en preview actuellement au niveau de GitHub pour générer un flux de travail dans GitHub Action à partir de Visual Studio pour vos applications ASP.NET Core et .NET 5 aussi. Donc, maintenant, on va parler donc tout ce qui est développement web et cloud. .NET 5 inclut la prise en charge de la création d'applications web .NET à pile, tout ce qui est pile complète avec Blazor Server et Blazor Web Assembly. Les applications Blazor Web Assembly utilisent désormais les bibliothèques donc de framework de base de .NET 5 donnant accès à toute la surface de l'API .NET 5. Les performances d'exécution dans Blazor Web Assembly sont 2 à 3 fois plus rapides que dans la version précédente de .NET Core, qui était .NET Core 3.1. Donc, Blazor Web Assembly prend désormais également en charge le pré-rendu côté serveur et le chargement différé des dépendances d'application. Les autres nouvelles fonctionnalités de Blazor incluent la prise en charge de la virtualisation des composants, l'isolation CSS, de l'isolation JavaScript, de la capture des références d'objets JavaScript, des nouveaux composants pour les groupes des boutons radio par exemple, les entrées de fichiers, la définition du focus de l'interface utilisateur et de nombreuses autres améliorations pour créer des applications web côté client avec C#
à la place de JavaScript. Donc, vous aurez vraiment après plus en détail avec Bruno, donc avec une démo par rapport à toutes ces nouveautés liées à Blazor dans .NET 5. Aussi, il y a eu le postage, est une startup créée autour d'une application qui pourrait aider les gens à planifier donc tout ce qui est donc des planifications de fin de vie. Donc les fondatrices et PDG avaient perdu donc trois membres de la famille en très proche de temps et elles souhaitent créer une solution adorable pour les gens afin qu'ils puissent passer du temps à pleurer, pas à chasser les énormes quantités de paperasse. Donc cette application donc utilise .NET et Visual Studio pour créer une solution à l'aide d'ASP.NET, Blazor Xamarin et Azure. Donc ils ont eu un témoignage pendant la .NET Conf pour parler de leur expérience au cours donc de développement de cette application web, y compris l'application mobile, le côté Blazor et tout. Comme j'ai mentionné donc tout à l'heure, c'est que aussi donc parmi les nouveautés pour .NET 5, c'est au niveau de facilité à travailler, investir, à développer des applications orientées infonuagiques. Donc nous aurons aussi donc dans ce cas-là, parmi les améliorations, les REST API, l'utilisation de OpenAPI, comme j'ai mentionné, qu'il y a eu l'intégration de Swagger aussi. Les API REPL, donc la génération des clients, la publication dans Azure API Management, elle a été ajoutée parmi donc lors quand vous essayez de publier votre application dans Azure en utilisant l'utilitaire de Visual Studio. Donc on pourra voir ça après. JRPC, Contract donc Based API, génération client-serveur. Donc on aura plus de détails par rapport à JRPC après aussi. Donc avec une démo, donc et tout. Donc ça, c'est ces applications. L'objectif aussi est d'améliorer l'expérience des développeurs pour les microservices, développer des microservices plus rapides, déployés dans des conteneurs plus facilement et vraiment donc améliorer l'expérience de publication dans Azure Container en utilisant les Kubernetes. Donc tout ça a été intégré aussi au niveau donc de Visual Studio. Il y a aussi donc le développement multiplateforme avec WSL et Linux, des performances pour reverse proxy, donc améliorées à ce niveau-là. Donc les équipes pour ASP.NET et Azure App Service ont travaillé sans relâche donc pour la chronologie .NET 5 pour assurer que les développeurs ASP.NET ont accès aux derniers éléments donc de runtime .NET 5. Ceci nous facilite à déployer donc nos applications .NET 5 dans Azure App Service dans la nouvelle version. Donc, dès que vous pouvez télécharger .NET 5, commencer à créer vos applications, vous pouvez les déployer, comme j'ai mentionné, vous trouvez le framework et vous bénéficiez d'une prise en charge complète de déploiement sur App Service à l'aide des actions, donc GitHub Action. Cette disponibilité sera rendue possible grâce à la nouvelle fonctionnalité Early Access Runtime. Je vais vous montrer après dans Azure comment on peut avoir la nouvelle version que pour voir, qui activera non seulement les applications .NET 5, mais toutes les versions ultérieures de .NET 5 à partir de maintenant. Donc cela signifie qu'il est plus nécessaire d'attendre que la plateforme prenne en charge le runtime. Elle sera juste là dès que runtime sera disponible. Donc ici le Projectile, si vous connaissez, donc Projectile vise à faciliter et accélérer la création, le débogage, les déploiements des microservices, découverte de services via les conventions de configuration, exécute plusieurs projets en même temps, gère automatiquement les connexions entre elles, donc entre le port et URL, ajoute des dépendances comme Redis. Sans écrire des fichiers Docker, exécute et débogue localement à l'aide de conteneurs et des orchestrateurs Kubernetes, tableau de bord local aussi, pour les journaux, les métriques, etc. Et peut donc être containerisé, déployé sur un service AKS en tout cas.
sur Kubernetes. Voilà, donc c'est ça le projet Tari qui a été intégré. Donc, découverte de services via les conventions, comme j'ai dit, donc mentionné de conversion. Donc là, on a tous les services. Maintenant, on va voir donc la vision .NET en un seul bloc. La vision d'un seul bloc .NET consiste à simplifier la plateforme et le choix pour les développeurs .NET de fournir une pile unique qui prend en charge les meilleures solutions pour toutes les charges de travail modernes. Donc l'année dernière, donc Microsoft a partagé une vision large d'une pile et d'un écosystème .NET unique. Et maintenant, il annonce qu'il dispose désormais des bases nécessaires pour concrétiser cette vision dans .NET 5, qui sera donc dans le programme. On va voir après le timeline, donc l'échelle où il y a donc l'avancement des versions. Et nous continuerons d'unifier la plateforme dans la prochaine vague de versions. Donc, ils ont travaillé sur un seul SDK, un ensemble de bibliothèques de classes de base et une chaîne d'outils unifiée. Donc, vous avez vu aujourd'hui que avec Blazor dans .NET 5, ils utilisent désormais les bibliothèques principales .NET au lieu de bibliothèques mono. Et il y a une interface utilisateur native multiplateforme avec .NET MAUI, une interface utilisateur web multiplateforme et de nombreuses autres améliorations natives du cloud aussi. Nous allons aussi maintenant voir ici où on est. Donc là, c'est .NET 5 aujourd'hui et l'avenir. Donc il y aura la publication d'une version majeure chaque novembre. Les versions du support à long terme arrivent une autre année sur des versions paires, les versions prévisibles. Donc non seulement les entreprises, ils vont l'aider, mais donc il y aura vraiment une projection très clair. Donc, comme vous voyez, 6 et 5, donc les 6, 7 avec le support. Donc, voilà, c'est l'évolution. En résumé, donc, j'espère, donc, avec ce qu'on a présenté comme fonctionnalité, que vous commencez à utiliser donc .NET 5 dans vos futurs projets et essayez de les déployer. Donc, je vais juste vous montrer. Dans Visual Studio, comment vous pouvez lancer, juste, ça sera rapide. Ici, quand vous créez vos projets, peu importe donc le projet, on va essayer d'utiliser donc juste un projet ASP, .NET. Ça sera cette fois en utilisant le framework .NET 5. Je pense que j'ai des latences dans ma machine. Voilà. Bon, c'est ma machine. Désolé. Donc là, je vais choisir C# Web et je fais cliquer sur Suivant. Donc peu importe le nom, on va faire Créer. Et comme vous voyez ici, donc j'ai toute la liste des autres, bien sûr, des autres SDK, des autres frameworks, disons. Donc ça, c'est .NET, donc le Core 5.0. Et ici, vous voyez que on a Enable OpenID Support, donc on aura OpenID qui sera supporté. Ceci par rapport à l'application, par rapport donc à Azure. Désolé. Bon, là je vais essayer de m'authentifier, donc m'authentifier par rapport à mon compte Azure, juste pour vous dire. Donc quand on crée une ressource ici dans Web App. Je vais choisir une ressource qui existe déjà. Peu importe. Ici, voilà, vous trouvez .NET 5 en Early Access. Donc ici, on peut créer donc des applications App Server déployées donc dans la bonne version, dans le bon stack runtime comme mentionné ici. Merci. Si vous avez des questions, et comme j'ai mentionné, on peut déployer donc en utilisant Visual Studio nos applications donc .NET 5 à travers l'outil. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de voir. OK.
Pas de questions, si j'ai bien compris. OK, dans ce cas-là, donc s'il n'y a pas de questions, je passe la parole à Miguel pour présenter C-Sharp 9. Tu peux prendre le contrôle. OK, fantastique. Donc, bonsoir tout le monde. Ça va être moi, votre hôte, pour la deuxième partie de la soirée où on va explorer un peu plus en profondeur C Sharp 9 et toutes les nouveautés. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais me présenter. Mon nom est Miguel Bernard. Je suis MVP en technologie développeur. Je suis aussi co-organisateur de la communauté MSDev Montréal. Puis, je travaille présentement comme directeur d'ingénierie chez une compagnie qui s'appelle Nexus Innovation. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les technologies Microsoft, autant C-Sharp, F-Sharp, Azure et DevOps. Donc, pas mal de connaissances à ce niveau-là. J'ai aussi mon blog si vous voulez me suivre, puis vous trouvez que ce que je vous dis ce soir, c'est intéressant. Donc, sans plus tarder, on plonge. Donc, C-Sharp 9, il y a énormément de nouveautés. On va voir, c'est pas mal tout autour d'un thème assez récurrent qui est beaucoup la simplification. Donc, vous allez voir, ça se répète pas mal dans les nouvelles fonctionnalités. Donc, la première fonctionnalité qui a été introduite, c'est ce qu'on appelle les init-only properties. Donc, en fait, init, c'est un nouveau mot-clé qui va venir remplacer le mot-clé set qu'on avait sur les propriétés. Donc, on a encore get. Mais au lieu de set, on peut venir spécifier ici init. Puis en fait, qu'est-ce que ça va changer comme comportement? C'est que init, il peut être, c'est un setter qui est seulement disponible lors de l'initialisation d'un objet. Donc, quand j'utilise un constructeur, je peux l'appeler. Quand j'utilise un object initializer, un peu comme ici dans mon exemple, je peux aussi affecter la valeur. Par contre, si on essaye sur une autre ligne de changer la valeur, on va obtenir une erreur du compilateur. Donc, c'est un comportement assez intéressant qui vient un peu nous protéger contre des mutations de valeur qui pourraient introduire des bugs. Donc, c'est très pratique. On va le voir. Cette fonctionnalité-là est vraiment la pierre angulaire de plein d'autres fonctionnalités de C Sharp 9. Donc, c'est une des premières choses pour atteindre de l'immutabilité, qui est une propriété extrêmement intéressante quand on parle de cloud à haut niveau d'applications qui sont stateless, qu'on peut scaler à l'infini. On ne veut pas avoir à jouer avec des locks puis transformer de l'état. On préfère avoir des choses qui sont immutables. C'est beaucoup plus simple à gérer. Tout ce qui est function as a service aussi. Donc, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui va être très, très, très utile à ce niveau-là. Aussi, c'est une fonctionnalité qui vient combler un peu un trou qu'on avait dans l'écosystème .NET. Puis j'ai fait un petit tableau pour expliquer, parce que là, c'est rendu compliqué un peu de savoir, OK, quand est-ce que j'utilise juste un get sur ma propriété, quand est-ce que j'utilise get set, quand est-ce que je vais utiliser get init. Donc, en fait, tout dépendant de qu'est-ce que vous avez besoin, si votre propriété est requise sur votre objet ou optionnelle, et si vous voulez qu'elle soit immutable ou mutable. Donc, si on regarde ce qu'on avait, disons que je veux une propriété qui est requise sur mon objet, mais je veux qu'elle soit immutable. Ce qu'on avait, c'était on passe un argument au constructeur et on utilise une propriété qui a juste le mot-clé get. Ça nous permettait d'atteindre ça. Si on voulait une propriété immutable et optionnelle, ben là, à ce moment-là, on peut utiliser un object initializer parce qu'il est optionnel. Et utiliser le nouveau mot-clé init. Ça, c'était le trou qu'on n'avait pas vraiment de couvert avant dans le langage. Maintenant, pour tout ce qui est mutable, c'est assez simple. C'est seulement
d'utiliser des getsets sur nos objets. Donc, cette propriété-là de init-only, très pratique pour les petits objets qui sont des structures de données qu'on veut passer entre nos méthodes ou entre nos classes, donc les POCO, les DTO, les events, c'est tous des bons candidats pour cette nouvelle fonctionnalité-là. La prochaine fonctionnalité qui est introduite, c'est les constructeurs primaires. Donc, c'est une nouvelle façon de construire des objets qui vient énormément simplifier la syntaxe. Donc, autrefois, on avait une classe, disons une classe personne comme ça, qui a un prénom et un nom, là, très standard, avec des paramètres qu'on affecte dans le constructeur qui affectent des propriétés. Maintenant, en C# 9, on peut écrire tout ça en une seule ligne. Puis en fait, le compilateur, lui, ce qu'il va faire en arrière, c'est qu'il va générer un constructeur par défaut avec ces deux paramètres-là. Il va générer deux propriétés qui vont avoir les noms des paramètres ici. Donc, tout ça, c'était comme un peu du boilerplate code, là, t'sais, du code qui est peu de valeur, qu'on répétait toujours, puis qui peut être un peu frustrant si on veut faire des refactoring parce qu'on a beaucoup de changements à faire. Ben maintenant, c'est tout simplifié, puis on peut déclarer une classe en une seule ligne. Donc, si vous regardez, ma classe ici, au lieu d'avoir des curly braces puis un body, j'ai seulement mis des parenthèses, comme un appel de méthode, et j'ai passé un paramètre, puis je finis avec un semi-colon. Puis, tout ça, ça me donne une classe. Donc, encore une fois, très, très, très pratique pour les petits objets qu'on veut créer des types, des POCO, des DTO, tout ça, qui sont juste souvent des sacs de valeurs qu'on veut juste passer d'un endroit à l'autre. Maintenant, on va pouvoir en déclarer plusieurs dans un fichier, seulement sur une ligne. Donc, beaucoup plus facile à la lecture aussi. Il y a moins de bruit autour de tout ça. Ensuite de ça, les records. Les records, c'est de loin la fonctionnalité principale de C# 9. Puis, on va voir pourquoi. C'est un gros changement puis quelque chose d'extrêmement intéressant. C#, comme je le disais un peu, tout bouge vers le cloud, puis on veut adopter des nouveaux comportements comme, par exemple, l'immutabilité que plein d'autres langages ont. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir que C# s'inspire de d'autres langages, entre autres, énormément inspiré de F# qui est un langage fonctionnel. Puis les records, c'est un concept qu'on voit beaucoup dans des langages de programmation fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est un record? C'est en fait c'est un objet immutable, pour dire ça simplement. Donc, ce qu'on a vu tantôt avec le init-only, c'était seulement au niveau des propriétés. Les records, c'est au niveau vraiment d'un objet au complet. Donc, on va voir des exemples. Comment ça s'utilise? Bien, tout simplement, vous venez, au lieu de spécifier le mot-clé « class », vous allez mettre le mot-clé « record », évidemment, donner un nom à votre type, puis vous pouvez déclarer un « body » avec des propriétés immutables. Donc, un record, on peut le créer, on peut lui assigner des valeurs à la création, puis après ça, tout va être immutable. Puis, comme je viens de vous présenter, les constructeurs primaires, on peut combiner les constructeurs primaires avec les records. Donc, là, ça nous donne vraiment quelque chose de super intéressant où, en une seule ligne, je peux déclarer une structure de données qui est immutable, très court à déclarer. Puis, on va voir que les records ont aussi d'autres avantages. Comme ils sont immutables, le compilateur est capable de faire certaines assumptions. Donc, c'est la slide après. Donc, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous parler, il y a un nouveau mot-clé qui a été introduit avec les records qui s'appelle le mot-clé « width ». Parce qu'est-ce qui peut être non pratique, si on veut, avec les records. Comme je disais, on ne peut pas les modifier une fois qu'ils sont créés, ce qui est super intéressant. Par contre, disons que je veux me faire un autre objet qui est presque pareil au premier, sauf une propriété, je suis obligé d'en créer un nouveau. Donc, si mon objet a 12, 15, 20 propriétés, puis je veux seulement en changer une, bien, il faut que je redéclare un nouvel objet au complet que je construise et que je change seulement la propriété. Donc, ça peut être très long. Pour simplifier ça, Microsoft a introduit un nouveau mot-clé qui s'appelle « width ».
qui me permet de dire, parfait, j'ai créé mon premier poulet, je l'ai appelé C. Maintenant, je peux dire, prends-moi mon instance C avec, et là, je peux ouvrir des brackets et venir overrider n'importe quelle propriété. Ce n'est pas vraiment un override parce que C reste immutable, donc ça ne modifie pas C. Ce que ça fait, c'est que ça me crée un nouvel objet, C2, avec tout ce qui est dans C et overrider seulement ce que j'ai spécifié ici, les propriétés que j'y ai dit. Donc, ça permet, c'est un genre de clone. Donc, mais c'est un clone qui est implémenté par défaut par Microsoft, donc vous n'avez absolument rien à faire. Ça supporte aussi l'héritage. Si c'est un graphe d'objet, ça va descendre aussi profond qu'il le faut. Donc, si j'ai des records qui ont des propriétés qui sont elles-mêmes des records et ainsi de suite, ça va descendre toute la structure et ça va vraiment faire ce qu'on appelait autrefois un deep clone. Donc, tout ça, c'était possible à faire. C'est juste qu'il y avait beaucoup de code à écrire pour arriver à ce comportement. Donc, très intéressant pour faire des copies d'objets très simplement. La deuxième chose, comme je disais, les records, comme ça fonctionne d'une certaine manière, on peut faire des assomptions. Le compilateur est capable de faire des assomptions. Puis, une des nouvelles choses que ça introduit, c'est ce qu'on appelle l'égalité structurelle. Donc, en fait, en C-sharp, toutes les classes, c'est ce qu'on appelle des reference types. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est seulement des pointeurs en mémoire, puis quand on passe la classe d'une méthode à l'autre, ce qui est passé, en fait, c'est le pointeur. Puis toutes ces instances-là pointent sur la même référence mémoire. Donc, si je modifie à un endroit, bien, ça va modifier la plage mémoire, puis là, toutes les autres pointeurs, toutes les autres instances qui pointent dessus sont mises à jour automatiquement. Puis en .NET, la façon par défaut, quand vous faites un equal, c'est que ça va regarder est-ce que mes pointeurs pointent à la même adresse mémoire? Si oui, ça va dire que les objets sont pareils. Ce qui est vrai et qui est très pratique. Par contre, des fois, on a deux objets qui sont complètement identiques, à part qu'ils sont stockés dans deux adresses mémoire différentes. J'ai un cas ici où j'ai encore mon poulet, donc j'ai mon C et mon C2, qui sont deux poulets que j'ai initialisés avec exactement le même nom. Par contre, c'est deux références mémoire différentes, parce que j'ai fait deux fois new. Avec les records, on a gratuitement l'égalité structurelle, c'est-à-dire que le C-sharp est capable de comparer les deux objets en comparant chacune des propriétés une à une. Encore une fois, si c'est un graphe d'objet, donc disons que mon poulet avait une propriété qui était un autre record, etc., c'est capable de descendre tout le graphe et de comparer toutes les propriétés au complet pour déterminer si les deux objets sont égaux. Ici, j'avais une petite note. Il y avait un petit trou pendant le preview, mais il a été corrigé depuis le release. Je l'ai retesté, donc c'est plus vrai. Mais pendant le preview, le égal-égal avait comparé encore les références mémoire au lieu d'utiliser l'égalité structurelle. Maintenant, ils ont corrigé depuis, donc c'est pas vrai. C'est plus vrai. Donc, oubliez ça. Donc maintenant, égal-égal va aussi utiliser l'égalité structurelle. Donc en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on était capable de faire auparavant. On était capable d'overrider la méthode equals dans notre objet, puis comparer les propriétés. C'est juste que c'était beaucoup de code de 1 à écrire, de 2 à maintenir. Il fallait s'assurer de ne pas faire d'erreur. Donc maintenant, le fait que ça soit gratuit, si on veut, sur les records, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a rien à faire. On est toujours sûr que peu importe le nombre de propriétés qu'on ajoute ou qu'on enlève à notre objet, ça va toujours suivre et ça va toujours être valide. Ici, il y a une question, fait que je vais répondre en même temps aux questions. La question, c'est est-ce que l'égalité structurelle fonctionnera seulement pour les records ou bien s'appliquera aussi aux autres classes? Pour l'instant, c'est seulement sur les records. Par contre, je sais que Microsoft est en train de travailler parce que tout est sur GitHub maintenant, fait qu'on peut voir les discussions et on peut voir. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions pour amener certains de ces comportements-là sur les classes aussi. Pour l'instant, rien de confirmé, rien d'annoncé. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ça fonctionne seulement sur les records. Mais le with aussi, c'est quelque chose qu'ils aimeraient amener au niveau des classes. Ça serait, là, il y a plusieurs propositions dans les conversations GitHub. Là, ça serait probablement comme une interface. Puis, ils appellent ça le iContract Equality, je pense.
Puis si ta classe implémente ça, tu serais capable d'avoir le comportement, en fait, d'égalité structurelle ou d'utiliser le width. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas sur les classes. Donc, la prochaine fonctionnalité qui a été introduite, c'est ce qu'on appelle les top-level programs. Donc, ça, c'est drôle un peu comme. C'est un peu de la syntaxe simplifiée. Ça a peu de valeur, mais c'est intéressant. Parce qu'un problème que .NET avait autrefois un peu dans les communautés, surtout open source, c'est que comparé à d'autres langages, C Sharp, c'est très verbose. Ça veut dire qu'il faut écrire beaucoup de code pour faire peu de choses. Puis le meilleur exemple de ça, c'est si vous voulez écrire un Hello World en C Sharp, le minimum que vous pouvez faire, c'est 11 lignes, comme ceci. Donc, quelqu'un qui est habitué de faire du Python ou un langage qui ressemble à quelque chose comme ça, où tu peux le faire en une ligne, il regarde C Sharp et il se dit, oh mon Dieu, c'est tellement compliqué. Donc, pour l'adoption, des fois, ça crée une espèce de friction ou de barrière à l'entrée qui, quand dans le fond, c'est pas tellement grave comme problématique, mais c'est souvent le premier exemple que les gens voient. Donc, Microsoft a travaillé là-dessus. C'est pas la seule raison d'adoption. D'autres bonnes raisons, c'est aussi être capable de transformer tranquillement C Sharp à un langage qui ressemble plus à du scripting. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit, parfait, maintenant, tout ce qui est dans Program CS, la méthode main, tout ça, c'est toujours répété, c'est toujours pareil. Donc, clairement, on pourrait faire en sorte que le compilateur émette ce code-là en arrière tout seul quand tu compiles ton programme. Donc, ça nous permet de rayer toutes ces lignes-là. Fantastique. Donc, maintenant, on est capable d'écrire un program.cs qui contient seulement une ligne qui est console.writeline. Par exemple, ou ça peut être notre programme au complet. Hein. Ça peut être. Puis on peut tout faire ce qu'on fait dans un main. On peut retourner des codes d'erreur. On peut accéder aux arguments. En fait, l'objet args, A-R-G-S, il y a comme une espèce d'objet magique qui existe dans ce contexte-là qu'on peut accéder aussi. Donc, tout est disponible. On a juste enlevé toute la cérémonie autour. Donc, grandement simplifié. Ça va être probablement quelque chose qui va être très utilisé pour. Tout ce qui est les functions dans Azure, où souvent c'est juste un petit script vraiment simple. Donc, on vient de réduire l'indentation, puis on essaie vraiment d'enlever le bruit, puis de regarder vraiment quelles sont les lignes qui vont avoir un impact, quelles sont les lignes que je veux vraiment lire, puis me concentrer dessus. Ensuite de ça, Microsoft a travaillé à améliorer le pattern matching qui avait été introduit dans C Sharp 8. Puis, par la bande, ils ont comme retravaillé les expressions logiques. Donc, comme je disais, c'est intéressant parce que C Sharp, ça va emprunter beaucoup des bonnes choses à d'autres langages. Puis, une chose que certains développeurs peut-être s'ennuient de VB, pour les vieux de la vieille qui ont fait du VB, VB, c'est une syntaxe très orientée, proche de l'anglais, tu sais, où on écrit des phrases presque. Puis, des fois, en C Sharp, c'est un peu plus difficile de lire une expression logique parce que c'est axé sur des symboles puis des syntaxes très courtes. Donc, les deux langages avaient des objectifs différents. Mais là, en C Sharp, on va ramener certains mots-clés qui vont permettre de simplifier certaines expressions. Donc, introduction de trois nouveaux mots-clés: not, and et or. Donc, au lieu des symboles correspondants de ces expressions-là. Donc, ça nous permet d'écrire des belles phrases du genre si ma variable s n'est pas une string ou des choses comme ça qui sont très faciles à lire et à comprendre, beaucoup plus simple que de dire s is string, mettre ça entre des parenthèses, mettre un point d'exclamation en avant, puis là, on sait comment ça finit. Ça peut être. On peut avoir plusieurs expressions comme ça, nestées, puis là, tu sais plus trop quel niveau de parenthèse t'es rendu, puis ça rend ça très difficile à lire. Donc, ça risque de simplifier grandement cette syntaxe-là. Comme je disais, le but premier, c'était beaucoup pour venir enrichir le pattern matching. Donc, le pattern matching, si on se souvient, c'est quelque chose qui a été introduit dans C Sharp 8, où on pouvait dire, prends-moi une propriété ou une instance. Il avait réutilisé le mot-clé switch. Par contre, au lieu d'avoir des cases, maintenant c'est juste des expressions logiques
avec une arrow function qui pointe vers le résultat qu'on veut retourner. Donc, la nouveauté dans C-Sharp 9, en fait, il y en a plusieurs. Une des nouveautés, c'est que maintenant, on n'est plus obligé d'avoir la propriété ou la variable qu'on veut comparer à une valeur plus grand, plus petit ou égal. On peut simplement écrire plus petit que 150, disons, comme une expression logique directement, puis il va savoir qu'il faut qu'il compare contre la propriété weight. Avant, ce qu'on était obligé de faire, c'est qu'on était obligé de dire P, il n'y avait pas weight, switch, puis ensuite de ça, dans notre switch, de dire P.weight plus petit que 150, puis là, si on avait des E, il faut le répéter à chaque fois. Donc ici, belle utilisation aussi du AND pour juste chaîner deux expressions logiques différentes. Donc, on vient enlever tout le bruit qu'il y avait autour de notre expression. Donc, ça allège la syntaxe, c'est plus beau à lire puis à déboguer. L'autre chose vraiment intéressante qu'ils sont venus ajouter, on avait déjà le match sur nul qui existait. Par contre, on n'avait pas le match sur non nul. La raison pour ça, c'est qu'en fait, point d'exclamation nul, c'était pas un symbole reconnu par le compilateur, donc on n'était pas capable de venir le mettre dans une expression. Maintenant, avec le mot-clé « not », on peut atteindre ce comportement-là en disant « not nul », puis on peut y retourner une valeur pour ce cas-là spécialement. Je vois qu'il y a une question. Peut-on utiliser plusieurs fichiers top-level? La réponse, c'est non, en fait, parce que chaque application peut seulement contenir une méthode main. Donc, c'est la même chose, en fait. Hein? C'est le seul truc, c'est qu'en arrière, le compilateur va émettre toutes les lignes de code qu'on ne voit plus, mais il peut juste en avoir un. Parfait. Maintenant, prochaine fonctionnalité. La prochaine fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le target typing ou les target typing expressions. Ça, en fait, ça a l'air des gros mots bien compliqués, mais c'est plutôt simple. En fait, c'est qu'ils ont amélioré le compilateur. Ils l'ont rendu plus intelligent. Maintenant, il est capable de détecter implicitement des types beaucoup mieux. Donc, dans plein de contextes, le compilateur va être capable de comprendre c'est quoi le type que vous essayez de passer. Puis vous n'aurez plus besoin de l'écrire. Donc, depuis C-Sharp 3, on avait déjà introduit le mot-clé var qui venait un petit peu faire ça, qui permettait de dire, ben écoute, je l'ai déjà déclaré du côté droit de mon assignation, mon type chat, tu n'es pas obligé de le mettre ici, détecte-le tout seul. Fait que les avantages, ben, c'est que var, souvent, c'est trois lettres, c'est plus court que la plupart des types à écrire. Puis l'autre avantage, c'est que si vous faites des refactoring, vous changez chat ici pour... je ne sais pas, quelque chose d'autre, ben var, automatiquement, le compilateur, il va savoir que le type a changé. Puis il va pouvoir vous donner de l'intelligence aussi là-dessus, c'est ce qui est intéressant. Donc là, en C-Sharp 9, on peut maintenant faire l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai déclaré mon type du côté gauche, je ne suis plus obligé de le déclarer du côté droit. Donc, vous verrez qu'entre le new et mes paramètres de constructeur, je n'ai plus besoin de passer le mot-clé chat. Il sait que vu que je l'affecte, dans une variable qui est de type chat, que c'est ça implicitement ici à droite aussi. Par contre, faire attention, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas mettre var, new, puis là, si vous ne spécifiez rien, le compilateur ne peut pas deviner quand même par magie c'est quoi. Vous devez minimalement spécifier d'un côté ou de l'autre. Donc là, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous regardez ça, vous vous dites, ouais, c'est pas fantastique comme nouvelle fonctionnalité. Attendez un peu, vous allez voir, il y a plusieurs endroits que finalement c'est pratique de pouvoir assigner le type à gauche au lieu d'à droite. Puis le meilleur exemple que j'ai pour vous de ça, c'est au niveau des déclarations des champs d'une classe. Donc, pour déclarer des fields dans une classe, vous ne pouvez pas utiliser le mot-clé var, vous devez absolument déclarer le type. Donc, on se retrouvait avec des très longues déclarations, des fois qu'il fallait wrapper sur deux lignes, surtout quand vous avez des génériques. Parce que disons que c'est ça, j'ai un dictionnaire de string observable de chat. Puis là, je mets le nom de mon field. Puis là, il faut que je fasse un new, puis je répète encore toute cette affaire-là. Bien là, comme je viens de dire, avec C-Sharp 9, vous pouvez juste faire new, parenthèse, parenthèse, puis automatiquement, il sait que c'est le type qui est déclaré à gauche. Donc, ça peut permettre d'enlever beaucoup de bruit encore une fois
dans des classes qui ont des champs avec des très longs types. Un autre exemple, c'est avec les Object Initializer ou les List Initializer, on peut venir énormément simplifier. Si vous regardez l'exemple en haut, encore là, j'ai fait exprès de prendre des types avec des noms très longs, mais je suis sûr que vous connaissez tous un programme près de chez vous qui a ce genre de syntaxe-là, puis c'est très dur à lire, puisque les noms sont très très longs ou sont nestés dans des generics, puis c'est très très long. Donc, ici, j'ai mon chat avec un super long nom pour clarté. Bon, super. Donc là, je suis obligé de le répéter deux fois à cause du new, parce que ça, si je veux initialiser avec des instances, il fallait que je réécrive le nom à toutes les fois. En C-Sharp 9, tout est simplifié. Je dis juste que j'ai une liste de ce type-là. Je fais un new parenthèse parenthèse, il sait que c'est liste de ce type-là. Puis après ça, chacun des new en dedans, il sait aussi que c'est le chat avec le nom super long pour la clarté. Donc, je suis venu vraiment, vraiment simplifier puis enlever tout le bruit. Puis le compilateur, il va venir faire toute la job pour moi, puis j'ai plus besoin de m'en soucier. Une autre utilisation, c'est disons que j'ai une méthode adopt qui prend un type chat. Ben maintenant, je ne suis plus obligé de. Tu sais, si je voulais faire un new, je pourrais juste faire un new, puis il est capable de détecter que, vu que c'est un paramètre qui vient de la méthode adopt, c'est de type chat, que ce new-là ici, il va être de type chat. Donc, ça, c'est une autre façon de détecter implicitement que le compilateur est capable de faire. Le dernier exemple, celui-là n'a pas été implémenté encore, il ne fonctionne pas, en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai essayé. Ce qu'on va être capable de faire, c'est de déclarer, disons, un type chat, un type chien. Si les deux ont le même ancêtre, je suis capable, dans une expression logique, sans faire de strong typing. Donc, avant, pour que cette expression-là fonctionne, il fallait faire quelque chose du genre parenthèse, animal, en avant de C ou de D pour qu'ils comprennent que toute l'expression, c'était des animaux. Maintenant, ça peut être détecté implicitement si les deux pattes possibles de l'expression retournent un objet qui a un ancêtre commun, il va plus vous faire de warning. Donc ça, c'est assez intéressant parce que les strong casts, comme on appelle, comme ça, c'est très dangereux parce que si vous faites des refactoring, vous pouvez avoir des erreurs qui ne seront pas détectées à la compilation et qui vont seulement arriver au runtime ou en production. Puis c'est vraiment des erreurs plates à déboguer quand on voulait juste faire un refactoring. Maintenant, on peut enlever ça, donc on va avoir une erreur de compilation si ça ne fonctionne pas. Ça va suivre le refactoring, puis on va avoir de l'intelligence puis des warnings si jamais il y a un problème. Donc là, je vois le temps qui avance rapidement, fait qu'on va passer vite. Il y a des petites améliorations que j'ai appelées juste des goodies, des petites choses simples qui ont été ajoutées aussi. Celle-là, malheureusement, elle n'a pas fait la cote. Je vous la montre rapidement, mais c'est la simplification des checks pour les nuls. Donc, en fait, dans une méthode, au lieu de faire toujours un if, regardez si propriété est nulle. Simplement, maintenant, en ajoutant un point d'exclamation, comme je disais, ça ne fonctionne pas encore. Ça va être probablement reporté soit dans une version mineure de C-Sharp 9 durant l'année ou sinon à C-Sharp 10. Mais seulement avec un point d'exclamation sur les paramètres requis, ça va automatiquement émettre ce code-là en arrière. Le compilateur va le faire pour nous. Une autre petite chose intéressante, les méthodes partielles, c'est quelque chose que vous utilisez. Je sais que c'est pas tout le monde qui utilise ça. On a enlevé pratiquement toutes les restrictions. Donc, pour faire une méthode partielle, autrefois, il fallait que la méthode soit void. Elle n'avait pas le droit d'avoir des out parameters. Elle était absolument obligée d'être privée. Maintenant, toutes ces restrictions-là sont levées et on peut avoir des méthodes partielles comme ça ici. Donc, ici, j'en ai mis une où ça retourne un bool, il y a un out parameter puis interne au lieu d'être privé. Une autre chose vraiment intéressante, les module initializers. Donc, ça, ce que ça permet, c'est que c'est un attribut qu'on peut mettre sur une méthode. Puis ça peut être sur plusieurs méthodes, en fait. Ces méthodes-là sont appelées quand l'assembly est chargée en mémoire. Donc, avant même que votre programme soit appelé, que le main soit appelé, c'est appelé. Évidemment, il y a certaines restrictions. Il faut que ça soit statique. Il n'y a pas le droit d'avoir de paramètres. Il faut que ça retourne void. Par contre,
c'est des choses qu'on était capable de faire avec des third parties comme Fody pour faire du weaving d'assembly, mais bref, c'était super compliqué. Fait que maintenant, un simple attribut à mettre sur une méthode, c'est extrêmement pratique, je vous dirais. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes projets de test quand je veux initialiser de l'état qui est statique sur certains objets avant de partir ma suite de test ou avant de partir un test. Ça va s'assurer que c'est appelé à chaque fois. Dernière chose pour terminer, les retours covariants. Ça, qu'est-ce que ça fait, entre autres? C'est que sur les classes abstraites ou les interfaces, si vous mettez un type qui est plus générique, maintenant, quand vous faites un override, vous avez le droit de spécifier le type plus spécifique. Donc, avant, on aurait été obligé de faire un override puis mettre « animal food », puis l'appelant de mon tigre aurait été obligé de savoir que c'était « meat », puis il aurait été obligé de soit de le strongcaster, ou l'autre façon, c'était de mettre des génériques sur « animal » et de mettre « get food » de type « T », par exemple, puis là, j'aurais été capable de le faire. Donc, maintenant, c'est juste plus simple. Il faut juste que meat hérite d'animal food pour que ça fonctionne, mais c'est comme ça. 30 minutes, on a réussi juste à temps. Merci beaucoup tout le monde. S'il y a des questions, je vais répondre dans le chat pour ne pas prendre trop de temps aux autres présentateurs. Puis, je vais passer la balle à mon ami Anthony. Anthony, si tu m'entends, on ne t'entend pas, ton micro est en mute. Oups, je m'excuse, j'étais en mute. Tu t'es parlé à toi-même. Monde. Alors, je recommence. Bonsoir tout le monde, je suis Anthony Giretti, je suis senior software developer, Microsoft MVP. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur Twitter, sur LinkedIn. Sur aussi GitHub, si vous êtes intéressé par surtout ASP.NET, gRPC, donc j'ai pas mal d'exemples de code. Et puis sur NuGet, j'ai peut-être quelques packages NuGet qui pourraient vous intéresser. Et ce soir, je vais vous introduire un petit peu Entity Framework Core 5, très exactement. Alors, je vais très rapidement vous parler des généralités. Des quelques nouveautés, alors, enfin, pas quelques, je vais vous en présenter quelques-unes. Il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes vous les présenter ce soir tellement il y en a. On va en survoler quelques-unes et puis j'en ai sélectionné deux, mes deux préférées que je trouvais les plus pertinentes quand j'ai migré d'Entity Framework Core 3 à Entity Framework 5. Et puis, on va parler un petit peu des changements brisants. Il y a quelques breaking chains. On va voir ça. Alors, au niveau des généralités, Entity Framework Core 5 est la suite d'Entity Framework Core 3.1. Il n'y a pas de version d'Entity Framework Core 4.0 pour la simple et bonne raison qu'ils ont voulu se calquer sur la version .NET 5, donc on fait .NET 5, on fait pas .NET 4 ou .NET Core 4, on fait .NET 5, donc on va faire pareil avec Entity Framework. Ce qui ne veut pas dire qu'Entity Framework Core 5 est uniquement compatible avec .NET 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste compatible avec toutes les implémentations de .NET supportant .NET Standard 2.1.
Donc, .NET 5, .NET Core 3.0 et 3.1 mono, si la version est supérieure à la version 6.4, Xamarin iOS si la version est supérieure ou égale à 12.16, pour la version Mac 5.16 et Xamarin Android, je n'ai pas la version. En ce qui concerne Unity et UWP, Universal Windows Platform, ça ne l'est pas encore, ça ne supporte pas .NET Standard 2.1, selon la documentation Microsoft, mais ils n'ont pas dit non définitif, ils ont dit to be defined. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté dans Entity Framework Core? Eh bien, Entity Framework Core peut maintenant supporter des audits, des benchmarking grâce aux event Kuttner de .NET 5. Donc, on peut les intégrer Entity Framework Core et générer tout un tas de statistiques. C'est une bonne chose. On a également les property bags. Alors, derrière ce nom barbare, en fait, c'est simplement qu'on peut mapper des tables non plus à des entités typé, mais à des dictionnaires clés-valeurs. Alors, j'ai pas donné d'exemple sur ce point, j'ai pas encore trouvé l'utilité, mais ça peut être très utile dans certains cas. Moi, j'ai pas encore d'idée d'utilisation. J'aime le strongly type et les dictionnaires peut-être un petit peu moins. SafeChange, maintenant, il permet de générer des événements, enfin on peut s'abonner à des événements sur le SafeChange s'il y a une insertion, un update, etc. Et tel un delegate que vous connaissez certainement en C#, il est possible de lui attacher des événements n'importe lesquels. Ensuite, là encore, une fonctionnalité que moi je n'ai pas nécessairement utilisée, c'est l'exclusion des tables lors des migrations, donc dans votre création de modèle. Vous avez simplement une méthode sur votre entité et vous lui faites ignore during la migration. J'en ai pas encore trouvé d'utilité. Puis il y a tout un tas de modifications, enfin d'améliorations, etc. Sur Cosmos DB, sur la génération des requêtes SQL. Il y en a tellement, mais je n'ai pas pu tous vous les présenter. Mais j'en ai quand même sélectionné deux qui m'ont bien plu. Alors, c'est les relations many à many. Je sais que ça a quand même un petit peu donné des cheveux blancs à certains développeurs. Comment ça fonctionnait avant? Ça a été amélioré dans Entity Framework 5. Comment ça fonctionnait avant? Donc, on avait en fait deux tables, deux entités. Je vais prendre une table nommée, enfin une entité reliée à sa table Video Game qui contient une liste de jeux vidéo et puis une table et une entité Gaming Support. C'est-à-dire que chaque jeu vidéo est supporté par différentes consoles, PC, etc. Et à l'inverse, différentes consoles sont supportées sur différents jeux. Alors, quand on voulait supporter ce genre de relation, on devait créer une table de jointure entre les deux. Donc, dans notre exemple, on doit créer une autre table qui s'appelle Video Game Support, qui contient à la fois, enfin, qui a sa propre clé primaire, un ID. Ici, il est implicite, ID, ça marche par convention. Et un Video Game Support, une entité Video Game Support, contient, est liée à plusieurs Video Games et plusieurs Gaming Support. Comment on devait le configurer? Eh bien, on devait effectivement donc créer trois entités. Et puis, dans la création du modèle à l'initialisation, pour le Gaming Support, on définissait sa clé. Ça n'a pas changé. Il est aussi implicite, donc ce n'est pas obligatoire, les deux premières lignes. Même chose pour Video Game. Et enfin, pour configurer la table de jointure, eh bien, il fallait lui dire qu'elle avait une clé primaire qui était son ID, qu'elle était liée à un Gaming Support, mais qu'elle avait plusieurs Video Game Support en relation, et même chose pour Video Game.
Eh bien, tout ça, ça a été beaucoup simplifié dans Entity Framework Core 5, puisque maintenant, les relations many à many, elles deviennent implicites. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il n'y a plus besoin de déclarer, de créer une entité, absolument rien de relatif à cette table de jointure, et c'est nettement plus pratique. C'est-à-dire que la table Gaming Support a un lien direct avec l'autre table, et vice-versa. C'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que bon, vous économisez une entité, donc vous avez une classe en moins. Et puis, votre configuration devient plus simple, puisque comme c'est devenu implicite, vous avez juste besoin de définir vos relations de 1 à plusieurs sur chacune. Enfin, 1 à plusieurs, ça a l'air du 1 à plusieurs, mais en fait, c'est du plusieurs à plusieurs, mais défini beaucoup plus simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'en arrière, il n'y a pas de table de jointure. C'est qu'Entity Framework, qu'il est devenu très intelligent. Et en arrière, en fait, il va vous créer, malgré tout, la table de jointure. Donc, avec l'outil de migration, il va le détecter. Ça va être transparent pour vous. À l'inverse, si vous utilisez le model first, le database first, eh bien, vous allez devoir vous créer à bras la table de jointure. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est tout simple. Donc ça, c'est, on va dire, c'est ma feature la préférée. C'est la première que j'ai voulu essayer et puis elle m'a simplifié la vie. La deuxième, alors moi j'adore, peut-être pas tout le monde, mais il est possible de créer des requêtes texte avec Entity Framework Core. Depuis un petit bout déjà, je crois la version 2 ou même 1. Et puis, une requête est liée à une entité. Donc, on peut faire du mapping entité-requête, si on peut dire ainsi. Eh bien, la nouveauté avec Entity Framework Core 5, c'est qu'on peut faire, on peut lier une entité à une requête qui ne correspond pas nécessairement à l'entité elle-même. Exemple. On a dans la méthode une requête, une méthode qui s'appelle TooSQL Query, et on peut faire un union all entre deux entités qui n'ont pas forcément rien à voir. Toujours est-il qu'il faut quand même avoir les mêmes champs. Je prends l'exemple de la table Gaming Support. Je peux faire une requête sur la table Gaming Support en récupérant l'ID, le nom, en l'identifiant par console, par exemple, parce que j'ai que des consoles dans cette table, et puis on peut jouer aussi sur un smartphone, sur un cellulaire. Eh bien, on a une table de cellulaire et puis, eh bien, on peut faire une requête dessus. Si toutefois, vous avez les mêmes noms, sinon il va falloir créer des alias. Je fais un select ID, name, je mets cellphone pour identifier mes champs qui correspondent à la table cellphone et cela fonctionne. Cela n'était pas possible avant. Voilà, c'est ma deuxième feature préférée. Je me suis empressé de tester ça et puis j'ai bien aimé. Il y a vraiment encore d'autres nouvelles fonctionnalités, mais j'irai pas dans les détails. Je voudrais simplement terminer avec les changements brisants. Eh bien, regardez, pas de surprise, il y a très peu de changements. Il y en a, je crois, il y a une petite quinzaine de changements mineurs. Vraiment pas du tout majeurs selon Microsoft. Donc, c'est même des fonctionnalités qu'on se sert même pas. J'ai regardé la liste. Je vous l'ai mis à la fin du PowerPoint. Vous allez voir, ce sont des choses que vous n'utilisez même pas. Quelques modifications, par contre, sur Cosmos DB, c'est vrai, mais encore une fois mineur. Ce qui rend, en fait, la migration d'Entity Framework Core 3 à la version 5 vraiment très facile, tandis que la migration d'Entity Framework Core 2 à la version 3, ultra complexe. Il y avait vraiment pas mal de changements. Il y en avait peut-être une cinquantaine. Donc, c'est nettement plus facile de passer à Entity Framework Core 5 quand Microsoft a appris la leçon. En référence, vous pouvez aller sur le site de Microsoft qui va vous expliquer tout en détail quelles sont les nouveautés. Il y en a vraiment beaucoup. Vous allez sur docmicrosoft.com, Entity Framework Core, What's New. Enfin, vous pouvez aller voir aussi la liste des breaking changes sur la même webpage. Et enfin,
Si vous voulez vraiment avoir la présentation complète d'Entity Framework, vous pouvez aller sur Channel One. Il y a une vidéo dédiée à Entity Framework Core 5, si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie et je vais passer à la main à Tijani. Merci. Ok. Ok, merci mon cher Anthony. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour notre événement .NET Conf local Québec. Pour ma part, je vais m'intéresser au support de .NET 5 sur Azure. Donc, juste vous rappeler que cet événement est une collaboration de vos communautés .NET Québec, Azure Québec et MSDev MTL. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis de rendre cet événement possible. Pour ma part, mon nom est Tijani Belmansour, je suis architecte cloud chez Cofomo et Azure MVP, et je suis aussi le co-organisateur de la communauté Azure de Québec. Donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou aussi sur mes blogs. Donc, mon premier blog, espacenuagique.com, est mon blog en français et dev2 est mon blog en anglais. Donc, c'est pas mal les mêmes sujets qui se retrouvent sur les deux, mais c'est juste que je blogue dans les deux langues. Donc, au niveau du support de .NET 5 sur Azure, déjà, ça commence par votre poste de développement. Donc, vous allez créer vos applications sur votre poste de développement. Et pour pouvoir créer vos applications sur votre poste de développement, ça va vous prendre de mettre à jour votre poste de développement. Donc, admettons, si vous utilisez Visual Studio 2019, il faut s'assurer que vous êtes sur la version 16.8 point quelque chose. Donc, pour ça, vous allez juste sur le menu Aide, puis à propos de Visual Studio, puis vous regardez le numéro de version. Ici, si vous n'avez pas la version 16.8 point quelque chose, vous cliquez sur rechercher des mises à jour ici, puis vous allez pouvoir télécharger la version la plus récente qui inclut .NET 5, puis les templates pour .NET 5. Si par contre vous utilisez un autre éditeur, par exemple VS Code, vous pouvez aussi télécharger le SDK directement depuis la page de Microsoft. Ou si vous voulez avoir les runtime, par exemple, pour vos serveurs de déploiement, vous pouvez télécharger les runtime sur la même page. Ensuite, il va vous falloir mettre à jour votre code. Donc, vous pouvez ouvrir une solution, admettons qu'on ouvre une solution qui est en .NET Core 3.1, on va changer ensuite le target framework pour cibler .NET 5. On va ensuite mettre à jour nos références NuGet pour régler les problèmes de compatibilité. Et normalement, on est prêt à exécuter notre application, puis ensuite la migrer sur Azure. Donc, comme mes précédents amis ont parlé de .NET 5, puis les différentes options. Donc, .NET 5 permet de faire du desktop, du web, du cloud, du mobile, etc. On va se focuser pour cette session sur la partie cloud et Azure en l'occurrence. Donc au niveau de Azure, .NET 5 est pris en charge au niveau des App Services, donc au niveau des Web Apps. Au niveau des Functions, la prise en charge est à venir. Donc ce n'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. Je reviendrai sur cette particularité-là un peu plus loin dans la présentation. C'est pris en charge de façon, entre guillemets, configurable pour les VM. Vous pouvez installer le runtime, par exemple, de .NET 5 sur vos VM, qui vous servent à héberger vos applications web. Et on a aussi une prise en charge sur les conteneurs si vous utilisez, vous déployez vos applications de façon conteneurisée.
Pour ce soir, je vais m'intéresser plus à la portion web app au niveau des app services. Donc, ce que je vais vous montrer est valable autant pour les app services Windows que pour des app services Linux. Donc, admettons ici, j'ai déjà un app service donc, qui est en .NET Core 3.1. Donc, si je vais dans la section configuration, puis dans General Settings, je vois que je suis en .NET Core. Donc, pour vérifier quelles sont les versions de .NET Core que j'ai présentement, puis s'assurer que je n'ai pas .NET 5, je vais dans la console, puis je tape .NET --info. Donc, ça va me lister tous les runtime et les SDK que j'ai sur mon poste. Donc, vous voyez, j'ai du 2.1, 2.2, 3.0 et 3.1, autant au niveau des SDK que des runtime. Donc, je n'ai pas .NET 5. Donc, pour .NET 5, je retourne dans ma section configuration. Je vais dans General Settings et .NET 5 se trouve sous la section .NET et non pas .NET Core. Donc là, je passe en .NET 5, je sauvegarde et je retourne faire un tour dans la console. Donc, je retape la même commande, .NET --info, puis magie. .NET 5 est maintenant activé, il est là. Donc je peux tirer profit de .NET 5, je peux déployer mon application en .NET 5 sur mon app service. Donc comme je vous le mentionnais, c'est la même chose autant pour Windows que Linux. Vous avez remarqué que à côté de .NET 5, on a la mention Early Access. Ça veut dire quoi? En fait, Early Access est une nouvelle fonctionnalité d'Azure App Service qui nous permet justement, ou qui permet plutôt à Microsoft de livrer rapidement les dernières versions des environnements d'exécution et des SDK sans avoir à attendre un cycle de publication d'Azure App Service. Parce que Azure App Service ont leur propre cycle de livraison, donc de publication, mais l'équipe de .NET Framework, elle a son propre cycle. Donc, s'ils ont une version de .NET qui est prête avant l'apparition de la fonctionnalité Early Access, ils étaient obligés d'attendre ou de faire coïncider ça avec le cycle de livraison plutôt de App Service, ce qui n'est plus maintenant le cas avec le Early Access. Donc, dès que la nouvelle version de .NET est prête, ils vont pouvoir l'intégrer dans App Service sans attendre. Et ici, je cite .NET, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que cette mécanique-là va s'appliquer à tous les runtime, en fait. Autant que ce soit .NET, que ce soit Java, que ce soit Python, etc. Tout ce qui est supporté par App Service va tirer profit de cette fonctionnalité-là. Attention toutefois, présentement, il y a certaines limitations avec le Early Access, notamment pour .NET 5, qui est la technologie qui nous intéresse ce soir. À mon avis, la plus grosse limitation, c'est le support ou la prise en charge de Application Insight. Donc, pour le moment, Application Insight n'est pas pris en charge pour des applications qui sont en .NET 5. Au niveau des functions, on parlait des functions tantôt. Je vous avais dit que le support de .NET 5 au niveau des Azure Functions est à venir. Donc, si vous allez ici sur l'issue 6674 au niveau de Azure Functions, vous allez pouvoir suivre l'avancement de cette problématique-là, qui est le roadmap du support de .NET 5 dans Azure Functions. Puis Anthony Chu, qui fait partie de l'équipe Azure Function, ce qu'il mentionne, c'est que le problème du non-support de .NET 5 aujourd'hui dans les Azure Function est lié à l'architecture interne de Azure Function et notamment du host. Parce que aujourd'hui, c'est le host est quelque chose qui exécute en fait les applications sur Azure Function indépendamment du langage. Donc, l'équipe Azure Function est assez, pas réticente, mais un peu fébrile quand il s'agit de déployer ou de mettre à jour une nouvelle version du runtime. Pourquoi? Parce que si ça se passe mal,
et bien ça va impacter tout le monde et sur tous les langages, en fait. Donc, du coup, ils sont en train de développer un nouveau worker pour .NET qui, lui, va pouvoir être mis à jour en fonction de l'évolution des versions de .NET. Et il sera mis à jour, donc on n'aura plus cet impact-là ou cette... j'ai envie de dire, entre guillemets, le danger de mettre à jour .NET au niveau des du Azure Function Host. Donc ça, c'est en cours. Microsoft essaye de pousser ça d'ici la fin de l'année. Oui, je sais, on est pas mal à minuit moins un, mais il n'y a pas de date prévue officielle, mais ils essayent de pousser ça d'ici la fin de l'année. Donc, on va leur souhaiter bien du courage, puis on va attendre qu'ils nous rendent ça disponible. Donc, en conclusion, .NET 5 sur Azure, ben, c'est pris en charge pas mal sur les différentes technologies d'Azure, soit les App Services, les Functions, ben, ça va venir, les VM ou les conteneurs. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc, vous pouvez aller consulter les vidéos de la .NET Conf. Donc, vous avez le premier lien sur Channel 9. Vous avez aussi, enfin, un shameless plug, mon article de blog sur le sujet, dans lequel je vous montre un peu ce que je vous ai montré ici. Là, c'est comment mettre à jour une web app .NET, une web app Windows et une web app Linux au niveau de .NET 5, vous allez voir en fait les écrans sont légèrement différents, donc je couvre avec des captures d'écran les deux options. Et la fameuse issue 6674 dans Azure Function Host pour suivre l'évolution du support de .NET 5 au niveau de Azure Function. Donc un gros merci d'avoir assisté à cette présentation, puis encore une fois merci aux différentes communautés qui ont rendu cet événement possible. Et je passe la main. C'est une bonne question. Je pense que c'est Bruno, juste après moi. Bruno. Bonjour à tous, merci Tijani. Aujourd'hui, je vais parler sur Full Stack Développement Web avec Blazor et .NET. Je me présente, mon nom c'est Bruno Sonnino, je suis architecte organique à CGI, je suis MVP, ça fait 14 ans et je travaille avec développement. Ça fait beaucoup de temps et c'est une chose qui me plaît beaucoup et on va parler aujourd'hui du développement de back-end et front-end avec C# et Blazor. Et notre agenda pour aujourd'hui, on va faire une introduction, on va parler du WebAssembly, du serveur, on va parler du futur de Blazor parce que Blazor, il y a un futur qui Microsoft est en train de mettre beaucoup de choses sur Blazor. On va voir un démo et on va voir un sommaire et les références. Initialement, on va voir quel est le développement web. Normalement, quand on fait le développement web, on a un serveur et on a le client et un browser. Dans le serveur, on a Microsoft .NET, on a le .NET Core ou le .NET 5 maintenant, qui est en train de faire tout le back-end. Et dans le front-end, on a des frameworks Angular, React ou Vue, par exemple, qui sont basés en JavaScript. Ça pose un problème qui on doit avoir deux équipes, une équipe qui travaille avec JavaScript et une équipe qui travaille avec C# .NET. Et les deux équipes, elles ne parlent pas bien ou des fois, il y a des personnes qui connaissent bien le JavaScript et le .NET, mais c'est plus compliqué. Alors, on a une différence entre le front-end et le back-end et il n'y a pas beaucoup de développement full-stack, que je veux dire le front-end et le back-end. Et Microsoft a vu une opportunité ici et elle a porté Blazor. Blazor, qu'est-ce que c'est? C'est le C#,
pour le browser. Il permet de développer des applications clients avec .NET au lieu de JavaScript. On n'a plus besoin d'utiliser JavaScript pour faire une application client. On peut écrire les composants utilisant C# et Razor. Razor, c'est la même technologie qu'on utilise en ASP.NET MVC. Alors, c'est une technologie qui est déjà connue par les développeurs et qui a été apportée pour le client. On peut partager le code entre le client et le serveur et on peut appeler les bibliothèques JavaScript et les API du browser si c'est nécessaire. Ça, c'est une chose très importante parce qu'il y a plusieurs bibliothèques de JavaScript qui sont disponibles et on ne va pas les jeter simplement et réécrire en C#. Avec Blazor, on peut aussi utiliser ces bibliothèques JavaScript connectées à notre application Blazor. La technologie qu'elle utilise, c'est la technologie du WebAssembly. WebAssembly, c'est une technologie qui est disponible dans tous les browsers les plus modernes. Si on va à Chrome, à Edge, à Safari, à Firefox, Opera, tous ces browsers, ils ont cette technologie. Ce n'est pas un plugin, c'est quelque chose qui permet de connecter des bibliothèques écrites en des autres langages. Il y a des bibliothèques WebAssembly en C++, il y a des bibliothèques Assembly dans des autres langages, et Microsoft, elle a fait un WebAssembly qui est le .NET. On a ici le .NET qui est en train de travailler sur ce WebAssembly. Et quand on parle ici le WebAssembly, on n'est pas en train de parler quelque chose qui va faire une compilation pour JavaScript. Non, on est en train de parler vraiment de C#. On est en train de parler du code compilé C#. Il n'y a pas d'une conversion à JavaScript pour alors. Le code, il roule vraiment rapide, il est vraiment .NET, il est vraiment just-in-time compiled. C'est vraiment la même chose que travailler dans une application serveur, dans une application desktop. Et comment ce WebAssembly travaille? On a le WebAssembly, qui c'est une infrastructure du browser. On a le .NET Core, le .NET qui sont des bibliothèques des DLL .NET vraiment qui sont transférées au client et cette bibliothèque elle utilise les composants Razor et cette infrastructure elle fait la communication avec la page. Elle reçoit des messages de la page et elle transfère des modifications. Et ça, c'est très utilisé parce que seulement les morceaux de la page qui ont besoin d'être modifiés, ils sont modifiés. Ce qui n'est pas modifié dans la page, il ne reçoit pas un changement. C'est pas un full refresh. C'est simplement la modification des composants qui ont besoin de travailler comme ça. Alors, c'est une technologie qui est .NET, C#, qui utilise une infrastructure qui est disponible sur les browsers modernes et en même temps, elle est optimisée pour faire les changements, seulement les changements nécessaires. Et on a deux versions de Blazor. On a la version WebAssembly qu'on a vu maintenant, mais aussi on a une version qui est serveur. Quelle est la différence de la version serveur entre la version WebAssembly? La version serveur, elle roule tout sur le serveur. On a le .NET, on n'a pas le WebAssembly ici, on voit qu'on n'a pas le WebAssembly, mais on est en train de rouler sur l'infrastructure du serveur. On a une connexion signalaire, une connexion très légère entre le browser et le serveur qui fait toute la communication avec la page web. Alors, dans ce cas-là, dans le cas du serveur, on n'a pas rien du tout qui va au serveur. On a seulement la transférence
de données entre le collecteur et c'est tout. C'est une infrastructure qui est beaucoup plus légère pour le client. On n'a pas de transférence de DLL. Et on a des avantages et des désavantages. Et on va voir un petit peu quels sont les avantages et les désavantages. Pour le WebAssembly, on a un vrai SPA, un vrai single page application, une application d'une page seule. On a une interactivité complète, on utilise les ressources du client, alors on utilise le browser. On peut faire un support offline, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être connecté, on peut transférer l'application et après ça, on n'a plus besoin de connexion. On peut faire des sites statiques, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un serveur, on a besoin seulement d'un serveur de page parce qu'on est en train de transférer des fichiers. Et on peut utiliser dans les scénarios PWA, Progressive Web Apps, on va voir qu'est-ce que c'est ça. Au contraire, on a une taille de téléchargement qui est beaucoup plus grande parce qu'on doit transférer toutes les DLL dans la première fois, on doit transférer toutes les DLL du .NET qu'on utilise. Ça, c'est une chose qui arrive vraiment, on transfère les DLL parce que tout est en train de rouler sur le browser. On a besoin du WebAssembly. Ça, c'est un problème, mais ce n'est pas un très grand problème parce que tous les grands browsers, les modernes, ils ont le WebAssembly. Ceux des browsers qui n'ont pas le WebAssembly, c'est seulement l'Internet Explorer 11, que je me rappelle, et il est en train d'être désuété. Alors, je ne vois pas de grands problèmes du WebAssembly. Pour le serveur, on a une taille de téléchargement beaucoup plus petite. On transfère seulement les modifications. Il exécute un runtime .NET complet. Ça veut dire qu'on a toute l'infrastructure du .NET qui roule au serveur. Le code ne lasse pas le serveur. Ça, c'est très important. Si on veut avoir notre code qui est sécurisé, qui ne va pas au browser, parce que quand on travaille avec WebAssembly, notre code, il va au serveur aussi. Oui, il va comme DLL, mais il est là, il peut être enregistré et décompilé ou n'importe quoi. On a une architecture qui est simplifiée, mais par contre, on a une latence plus grande parce qu'on doit transférer tous les changements. On n'a pas le support offline parce qu'on a besoin du serveur et on a une consommation de plus de ressources au serveur. Le serveur, il va travailler pour tous les clients. Alors, le travail qui était distribué entre les clients pour le WebAssembly, il n'est plus distribué. Il est tout concentré sur le serveur. Mais il y a la possibilité aussi même de faire un mélange entre les deux. Tu n'as pas besoin de choisir WebAssembly ou serveur. Tu peux faire une application qui mélange le serveur, une partie à serveur, une partie à WebAssembly, en utilisant la même technologie pour les deux parties. Ça, c'est, je crois que c'est le meilleur des mondes. Pour le futur, on voit ici, on a vu déjà le serveur, le WebAssembly, on a déjà le PWA, on va voir qu'est-ce que c'est. C'est pareil à une application native, on peut installer cette application dans le système opérationnel et elle travaille comme une application native, mais elle n'est pas une application native. On peut travailler connecté ou déconnecté. Il y a le Blazor Hybrid. Qu'est-ce que c'est le Blazor Hybrid? Le Blazor Hybrid, c'est une application hybride. Je suis sûr que vous avez déjà travaillé avec plusieurs applications hybrides, même sans savoir qu'elles sont hybrides. Par exemple, si vous avez travaillé avec Teams, Teams est une application hybride, elle est une application
qui est une application web, qui a une cookie qui est une application desktop. Alors, Teams est une application hybride qui utilise une technologie qui s'appelle Electron. Visual Studio Code aussi est une autre application hybride. Alors, vous voyez que c'est une technologie qui est beaucoup utilisée et elle permet de faire des choses très intéressantes. Il y a ça, c'est maintenant en expérimentation. Et il y a la possibilité de faire une application native. Qu'est-ce que c'est une application native? L'application native, c'est l'application qui utilise le code du dispositif. On peut faire une application, par exemple, Android, qui va utiliser le code Android. Il n'y a pas des composants web ici, il n'y a pas une web page, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le composant natif Android, iOS. Ce Blazor natif qui est en train de est en preview maintenant, il utilise en dessous, il utilise Xamarin. Alors, on écrit notre code comme si c'était une application Blazor et après, il génère une application native avec les composants Xamarin natifs. Et on va voir un petit peu d'une démo avec WebAssembly. Je vais montrer ici, j'ai Visual Studio. Je vais ouvrir ici Visual Studio, si je trouve ma souris. J'ai ici Visual Studio. Je vais créer un projet nouveau. Je vais créer un projet Blazor. On vient ici, Blazor. Je vais créer cette application-là. Quand je fais la création de l'application Blazor, je peux choisir mon framework. Je vais choisir le 5.0. Je peux créer une application serveur ou une application WebAssembly. Vous voyez ici que quand je crée une application serveur, je peux habiliter le support Docker. Je peux faire cette application dans un conteneur. Avec le WebAssembly, je peux utiliser l'application client avec un host Asnet Core où je ne l'ai pas besoin. Et je peux cocher ici et faire une application progressive web. Je vais faire ça et je vais faire la création. Alors, je fais la création. Il va me créer une application complète qui va rouler dans mon browser. On va pas avoir besoin d'un serveur spécifique. Toutes les données vont elle est en train de prendre beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que d'ici à la fin de la présentation, on a une application Blazor qui fonctionne. Bon. Maintenant, j'ai l'application ici. Alors, vous voyez ici mon application. J'ai dans mes pages, j'ai ici mes composants. Vous voyez ici que ce composant est en extension Razor, qui sont les composants, la même extension qu'on connaît quand on utilise ASP.NET MVC.
Et si j'ouvre ici le counter.razor, on va voir qu'on a du code HTML et on a du code C#. Et ce code C#, il est en train de travailler ensemble du code HTML. Si on voit ici, on met current count, c'est la arrobas current count, qui fait cette propriété, la current count. On a un clic qui a increment count, qui est cette méthode ici, increment count. Par exemple, si on a ici fetch data, on a ici une table, et dans cette table, on a une collection forecast, qui c'est un tableau de weather forecast. Ce weather forecast est là, c'est une classe C#. On a ici uninitialized async, on a HTTP get from JSON async, weather forecast, et on est en train d'obtenir de ce fichier-là qui est ici. Simple data weather.json, qui est ce fichier JSON. Alors, on est en train de recevoir ce fichier et on va créer un tableau. Quand je viens ici, il va me ouvrir mon browser et on va voir l'application qui roule. Et ici, on a l'application qui roule. Je vais faire ça. On va voir un petit peu. Et ici, on a l'application Blazor qui roule. On a ici un Hello World. On a le compteur. Quand on clique ici, il me change ici. Je vais ouvrir ici les outils de développeur. Les outils de développeur. Comme ça, on voit qu'il n'y a rien qui vient ici dans le réseau. Si on va faire le fetch data, on va voir ici qu'il va m'apporter le fichier. C'est le fichier weather.json et c'est tout qui est transporté ici. Je vais faire la même chose, seulement que je vais ouvrir une autre page ici, une autre page in private. Et je vais ouvrir ici. Je vais faire ça et je vais ouvrir ici les outils de développeur et je vais mettre la même adresse. Comme ça, on va voir. Je vais mettre cette adresse-là et cette adresse ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec mon clavier. Et en tout cas, on a la souris encore. Et voilà ici, je vais faire le fetch data. Et on voit que tous les DLL sont en train d'être transférés. On a tous les DLL ici. On a system collection, system buffers, Microsoft extensions, tous les DLL. On a transféré 9,2 MB de données ici dans notre application. On a vraiment un volume de données ici qui a été transféré, mais on a tout le .NET et après ça, on n'a plus besoin de transférer rien du tout. Cette application, elle peut rouler vraiment comme une application complètement indépendante de toutes les applications qu'on a ici.
Et il y a ici une autre chose. On voit ici le symbole de plus et on peut installer cette application. Ça, c'est le PWA. On est en train d'installer cette application comme une application Windows. Alors, une fois qu'on installe cette application-là, elle est là et elle est disponible justement de la même façon que une application normale. C'est une application normale, on peut travailler normalement, on peut travailler offline et on peut même la désinstaller. Et une fois qu'on la désinstalle, elle est désinstallée de notre système. On peut créer une application qui est déconnectée, qui roule sur le browser, qui est vraiment simple et qui utilise une technologie qu'on connaît déjà quand on travaille avec ASP.NET MVC. Et ça, ce n'est pas tout qu'on peut faire. Il y a la possibilité de travailler avec Electron. Il y a Electron.NET où on peut faire une application qui est pareil à cette application-là. On voit ici j'ai mon application que j'ai créée avec Electron.net. On a la même application ici, on a le compteur, on a le fetch data, qui est exactement, et on a un menu Windows. Ça, c'est un menu Windows, et ça, c'est une application vraiment Windows. Quelle est la différence de la première application, la PWA? Ici, on a une coquille qui est une application Windows, vraiment. Et ici, on a un WebView qui va être en train de travailler et de faire tout le travail avec Blazor. Ça, c'est déjà disponible. On peut le faire. On peut utiliser cette bibliothèque ici, Electron.net, et faire notre application Electron. Microsoft aussi, elle a fait l'expérimentation Blazor Hybrid avec, on peut faire à la ligne de commande .NET New Blazor Hybrid et on peut créer des applications WPF ou on peut créer des applications Android. Quelle est la façon de faire ici? Ici, on a une application WPF. Ça, c'est l'application WPF. Et ça, c'est la partie WebView. On a une WebView ici. Alors, je vais montrer cette application-là qui joue. C'est cette application-là. On a ici le compteur et on a ici le fetch data. C'est exactement la même application, seulement qu'on on a une application WPF. Et on peut faire aussi Android, et on peut faire macOS, et on peut faire aussi iOS avec cette application hybride. Cette application hybride, on a la coquille qui est WPF et un WebView ici. Et on peut avoir le mode Blazor Bindings, que c'est la dernière ligne de Blazor, où on a une application vraiment native. Cette application, on peut utiliser tous les atouts qu'on connaît de Razor, et on peut utiliser les ressources du dispositif. Le GPS, le media, on peut utiliser les bibliothèques natives et elle est en preview 5 et je vais montrer l'application qui joue ici sur le simulateur Android. On voit ici le simulateur Android, si j'arrive à le mettre d'une fenêtre à l'autre, parce qu'il ne va pas. Mais l'application Android, c'est une application vraiment Android. Elle est générée, le code est un code Blazor, mais l'application, elle est une application vraiment Android normale comme n'importe quelle autre application. Il ne me permet pas de faire ça.
pour se lancer avec Blazor, c'est très simple. On peut aller à https://blazor.net, installer le .NET 5. Si on est à Windows, on peut installer le Visual Studio 2019-16.8. Si on est avec Mac ou Linux, on peut travailler avec Visual Studio Code. Visual Studio Code est vraiment un outil qui est vraiment fantastique pour développer. Il permet de développer et déboguer toutes ces applications Blazor. On peut apprendre en faisant un magasin de pizza avec Blazor, Blazor Workshop. Et il y a une communauté avec plusieurs choses sur Blazor. Il y a des composants, il y a des vidéos, il y a des tutoriels, il y a des articles, il y a un petit peu de tout. Awesome Blazor, c'est la communauté Blazor où il y a des ressources de tous les types. En sommaire, on peut travailler avec le serveur Blazor ou WebAssembly. On peut construire des applications full stack avec C# et .NET. On a un modèle de composants et un framework d'interface utilisateur qui est vraiment riche. Intégration avec des applications ASP.NET Core existantes. Alors, on n'a pas besoin de réécrire notre application ASP.NET Core. On peut travailler notre application ASP.NET Core et enrichir avec Blazor. Et on peut travailler avec Blazor hybride et native qui va faire que notre connaissance, elle arrive à prendre non seulement les applications web, mais les applications desktop et les applications mobiles. Alors, on peut faire tout ce type d'applications avec une seule technologie. Alors, ici le lien. Je veux vous remercier pour votre temps et si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Voyons ici s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions. Bruno, moi j'ai une question pour toi. Oui. Lorsque tu nous as montré Blazor Mobile Binding, donc tu peux faire des applications, ce que j'ai compris, tu peux faire des applications natives pour par exemple Android, là, comme tu nous l'as montré. Oui. Mais ensuite, pour rendre ces applications disponibles, est-ce qu'il faut que tu les publies sur les App Store et Google Play? Oui. Oui, ok. Donc il faudrait que tu les déploies sur les... C'est exactement la même chose parce que tu es en train de générer une application native. Alors, quand tu vas générer, en dessous, tu es en train de générer une application Xamarin Forms. Mais tu utilises, je vais montrer, je crois que j'ai deux minutes, je peux montrer ici l'application mobile. Je vais montrer ici l'application mobile. Je vais faire ça. Je vais arrêter. Et on voit ici l'application mobile. L'application mobile, comme vous voyez, elle a deux parties. Elle a une partie qui est Android et une partie qui est iOS. Si on voit ici l'application mobile, on voit le Counter Razor. Et il est beaucoup pareil à l'autre Razor qu'on était en train de voir. Mais la différence, c'est qu'ici, on n'a pas HTML. On a ici, on a le XAML. Et le XAML est le même XAML qu'on est en train de travailler avec Blazor, avec Xamarin Forms, ça veut dire. Mais ici, le code est exactement le même. Ici, on a le count qui est ici. On a le click. On a le click qui est cette fonction increment count. Exactement la même chose. Mais on est en train de travailler avec une application Xamarin Forms. Si on voit ici la partie Android, c'est la partie spécifique pour Android. On a le main activity qui c'est la porte d'entrée d'une application Android qui est justement comme une application Android normale. Ok. Dans ce cas, est-ce que tu as des use cases pour Xamarin et des use cases pour Blazor?
J'ai plusieurs use cases. Il y a beaucoup de monde qui connaît les Razor, qui connaît AskNet MVC, qui travaille avec Razor, ça fait longtemps et ils ne connaissent pas le développement Android. Ça vous donne un quick start vraiment bon. Ces personnes qui ont une grande connaissance de Razor et des pages Razor et qui vont travailler avec Blazor dans le client, ils peuvent avec un petit peu de connaissances en plus commencer à travailler avec le développement mobile. Et dans un second pas, éventuellement travailler avec Xamarin Forms directement. Moi je vois que c'est un quick start pour qui connaît le développement Blazor, développement Razor, qui veut s'aventurer en développement mobile. Ok, merci beaucoup. Des autres questions? Alors, s'il n'y a pas des autres questions, je veux remercier à vous de nouveau, je veux remercier à Rino, à tout le monde, et j'espère que vous avez profité de la présentation, toutes les présentations, que vous avez eu le goût de voir un petit peu de .NET 5 et de C# 9 et de Entity Framework et de Azure avec .NET 5 et que vous commencez à travailler avec ça vraiment, ça me ferait plaisir. Merci Bruno pour cette belle présentation. Merci à tous les présentateurs. Merci également à tous les participants. Et ce fut un très bel événement. Et c'est la seconde fois qu'on l'organise en collaboration avec la communauté de Montréal. Dans les prochains jours, on va essayer de continuer dans la même lancée. Restez abonnés à nos meet-ups respectifs, donc .NET Québec, Azure Québec, et la communauté MSDev Montréal. C'est sur nos pages GitHub, sur nos pages Meetup que nous diffusons nos événements. Et également, nous avons des pages YouTube, notamment de la chaîne de Azure Québec et celle de .NET Québec. La présentation d'aujourd'hui sera diffusée sur la chaîne YouTube de .NET Québec et tous les participants qui sont enregistrés via les pages Meetup de ces pages recevront des notifications pour être à mesure de visionner ou partager le contenu avec leurs contacts qui n'ont pas pu assister à cet événement. Sur ce, je vais vous remercier pour votre participation. Restez connectés à nos pages et au plaisir de vous rencontrer dans des prochains événements.